Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous amuser à réaliser colures avec des fonds d'assiette, dont un colure tout coloré. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez ainsi une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et si vous voulez voir les plus anciennes, il y en a plus de 130, vous allez dans l'onglet vidéos de ma chaîne et vous faites défiler. En attendant, c'est parti. Pour réaliser ce tableau, j'ai utilisé une toile en coton toute simple, format 30 par 30. J'aurais très bien pu utiliser un format plus grand, bien sûr, si je l'avais décidé, ou avec du lin, si je le souhaitais. Je l'ai enduite d'une couche fine de gesso, d'acrylique blanche. J'ai séché au sèche-cheveux. J'ai fait un croquis très rapide et très stylisé du célèbre port de Collioure, plage de Collioure, et je vais commencer. Pour réaliser ce tableau, j'utilise donc des fonds d'assiette. Je vous donnerai les couleurs au fur et à mesure. J'ai juste rajouté du blanc pour en avoir assez pour toute la toile. Donc ici, je viens mélanger. Alors, c'était un résidu de bleu outre-mer, de gris de plaine et de blanc pour avoir une teinte toute douce. Ah, je suis en train de coller un peu de turquoise. Ce n'est pas grave. Donc, je veux un ciel très très doux qui va contraster avec les couleurs. Je vais y mettre par-dessus. Ici, c'est un petit peu plus gris. Je le réserve. Je vais me rajouter donc un peu de blanc. Je vais faire d'abord une couleur presque blanche, hein, donc très très claire. Et je viendrai ensuite poser cette couleur bleutée par-dessus. Je veux un ciel très très effacé qui mettra en lumière toutes les couleurs chatoyantes qui vont venir derrière. Le risque en prenant des couleurs de fond d'assiette, c'est que le couteau ne soit pas toujours propre. C'est pas grave. Ça fait partie du jeu. M'approche au maximum, je ne laisse pas de jour entre le crayon à papier et ma peinture. Je viens maintenant poser le turquoise, enfin le bleu clair que j'avais travaillé. Pour un tableau abstrait, j'effleure, enfin abstrait, beaucoup plus moderne. Je m'amuse à effleurer. Je vais avoir donc plein de petits points qui vont illuminer mon ciel. Je fais pareil de l'autre côté avec du blanc. J'effleure, donc j'ai un ciel très original, très chargé, avec de la texture. Je viens maintenant travailler donc mes bâtiments. Ici j'ai de l'eau, ici j'ai de l'eau. Je pense que je vais faire l'eau directement également. Ici j'ai un résidu de bleu phtalo. Je vais mélanger à mon turquoise précédent, en couleur ciel. Et je vais déjà positionner mon eau au départ de cette couleur. En fait, je vais remplir de grandes plages couleurs sur lesquelles je repasserai ultérieurement. Je viens maintenant remplir. Alors, je prends du noir et un petit peu d'ombre brûlée, mélangé grossièrement. Et je vais remplir la totalité de mes bâtiments en couches très très fines.
je prends un petit peu de rose, un petit peu d'orange et un petit peu de blanc pour faire une teinte saumonée. Je peux y rajouter un petit peu de jaune pour adoucir tout ça. Et je vais commencer à placer cette couleur de manière un petit peu aléatoire. Et surtout de manière croûteuse. Alors, je ne sais pas comment expliquer ce terme. En fait, j'effleure, donc cela va faire un effet, voilà, de croûte, de peau de serpent, qui va donner du caractère à mon tableau. Je vais prendre un petit peu d'orange et de terre de sienne brûlée pour venir faire les toits. De noir dans mon brûlé pour faire l'ombre portée du toit. Un peu de noir, un peu de blanc. Ici, c'est un mélange de vert jaunâtre avec de gris clair. Je joue vraiment avec les couleurs. Alors voilà, j'ai fait la bêtise et j'ai progressé dans le tableau et la caméra n'était pas branchée. Je suis désolée. Donc j'ai progressé, j'ai fait ce premier plan ici qui passait devant. Je suis venue faire un semblant d'arbre. Et ici, je suis venue un peu déstructurer. J'ai rajouté les reflets. Je vais maintenant placer du blanc. Quel dommage que vous n'ayez pas vu, je suis désolée. J'ai repris le code couleur que j'avais mis là-haut
je suis venue faire ce que je suis en train de vous montrer, des petits effleurés graphiques dans un sens, dans l'autre. J'ai replacé du vert, j'ai replacé du turquoise. Je peux replacer un petit peu de gris. Toutes les codes couleurs que j'avais mis là-haut, je les remets en bas. Comme je l'ai dit, c'est du très stylisé, limite abstract. Je renforce de noir pour donner de la force à mon quai. Je vais maintenant styliser à nouveau mes bateaux. Je vais faire une barque ici. Je vais faire une seconde ici. On voit pas très bien, mais vous allez voir parce que je vais les remplir de noir. Petite astuce pour tirer les mâts droits, on dilue avec un petit peu de white spirit, la peinture à l'huile, elle sera donc plus liquide.